Je vois ça. Dois-je te rappeler que c'est pour la même raison que tu étais rapatrié des États-Unis? Toujours à cause des femmes. Pourquoi viens-tu Aguna, j'ai trop honte de toi. Pourquoi viens-tu m'embarrasser devant mes amis? Quel ami? Ces filles d'un coup d'un soir? Tu es trop pathétique. Tu ne croiras pas ce qui vient de se passer. Je sors de la maison d'Aguna. Je n'arrive pas à croire que c'est à cause de ces deux filles qui m'a laissé à l'aéroport. Il n'est pas venu à l'aéroport pour m'attendre ou même me chercher. Il n'est même pas venu chez moi ou à l'hôtel pour venir me voir. Il n'a même pas pris mes appels. Et votre conseiller financier? Bien sûr. Vous savez que la semaine dernière, vous avez fait un retrait de 15 millions. Et il y a 3 jours, c'était 8 millions. Oh, le grand seigneur. Bienvenue, mon ami. C'est comment, mon frère? Vais bien. Allons à l'intérieur. Maintenant que vous avez vidé votre compte, j'espère que vous ne faites pas un mauvais investissement, parce que je suis inquiet. Où étais-tu avec tes conseils quand je gagnais mon argent? Qu'est-ce qui te fait croire que tu as le droit de me dire comment dépenser mon argent? Je veux juste m'assurer que vous ne faites pas un mauvais investissement. Quelqu'un qui n'est même pas assez qualifié pour être le directeur d'une microfinance. Ce n'est pas possible. Écoute, allons dans la chambre. Aguna, tu es ton propre problème. Ce n'est pas ton problème.